parti avec les boys de Dakar, avec The HM Family, Captain Haas, Pape et Yat. On va aller faire quelques poissons, on y va. Je descends dans l'eau verte. Après 30 secondes, des barracudas géants arrivent. Je vise et tire le premier qui est très gros. On revoit l'action avec ces trois barracudas. Je m'applique avec mon André inverteur. À 4 mètres, la flèche de 8,5 le traverse et le barra sonde. Le roche est fulgurant. Barra record du monde non officiel, qui rend heureux mes amis qui l'ont géré après le tir. Nouvelle descente sur un banc de diabar de 12 à 18 kg. Craintif, ils collent au fond du tombant comme si j'étais un requin. À force d'être chassés, ils ont intégré le danger. Ici, je n'arrive pas à les approcher suffisamment. Nouvelle apnée profonde. Je cherche le poisson. En coulant, j'appelle. Je vois des carangues. Une badèche attire mon attention et j'aperçois un mérou. Il est sur plus de 40 mètres. Je vais vers lui, immobile, prêt à tirer. À 4,50 m, je le tue net. À la surface, il tire le mérou que j'admire au passage. 8,5 kg. J'ai sondé sur le bas du tombant en apercevant des yards. Le fond est sur 42-43 mètres. Alors que les yards ont fui, un ouf, toujours moins craintif, revient. L'inverteur me permet de le tirer à plus de 4,50 m. En haut, Khaled le bloque immédiatement et je remonte en sécurité. Le contraste de la couleur de l'eau à la surface est saisissant. Ce poisson magnifique et délicieux est remonté par une équipe de choc. 8,5 kg pour ce ouf que l'image de la GoPro écrase. Sur cette apnée, je pars sur un banc de diabar. Il longe le tombant et je le recoupe à trajectoire. À plus de 5 mètres, je tire en plein centre. Le roche est immédiat. Mais à la surface, le Boy of Dakar, Momis, est là. Je double ce superbe diabar si difficile à prendre cette année. La flèche avait bien traversé ce poisson surpuissant. Cette apnée sera la plus longue de la journée, 2 minutes 12. Je regarde si un mérou ne m'observe pas. Je sais que les carangues ne sont pas loin des yards. Au loin, les yards arrivent. Je suis sous eux. Je palme doucement vers le haut. Dans mon champ de vision apparaît un gros yard. Instantanément, je le tire. Au ralenti, on voit bien le moment où je le vois et déplace mon inverteur. Son rush est surpuissant. Mais Khaled, à la surface, est efficace.
Je me rends compte alors de sa taille. Ce poisson bat l'ancien record du monde de mon ami Stéphane Dudon, qu'il a récemment élevé à 16,5 kg chez Jeannot de Roum au Guinea Fishing Camp. Une badèche est sur 41 mètres. Je la rate. Un grand merci à mes amis pour cette journée magnifique. À bientôt.